Bon, c'est comment? Vous allez bien? D'accord, je vais tout vous dire. Je viens de l'hôpital. Je suis allé voir le docteur. Ah oui, je suis obligé de tout vous dire. Hein. J'ai commencé avec vous, j'ai acheminé avec vous et je dois terminer avec vous. J'ai vu le docteur. On a finalement retiré les points de suture. C'était atroce. Je n'avais encore jamais expérimenté quelque chose de comme ça de toute ma vie. Après avoir parlé à un autre docteur, on m'a dit qu'on a laissé ça un peu trop long. Ça faisait presque 2 semaines que c'était comme ça. Ça a été insupportable. Retirer ces histoires-là a été incroyable. On m'a déjà frappé au visage, on m'a fait beaucoup de choses, hein. Mais non. Je pense que c'est une petite victoire. Merci à vous, merci pour les messages, merci pour la gentillesse. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages privés, inbox. Beaucoup m'ont envoyé des versets, beaucoup m'ont envoyé beaucoup de choses. Vous êtes très gentil, ça fait vraiment plaisir. Ouais, je me sens beaucoup mieux parce qu'il y a moins de 24 heures, j'avais une inflammation incroyable. Je n'avais encore pas eu d'inflammation pareille. Et apparemment, c'est mon système immunitaire qui commençait à rejeter, donc mon corps commençait à rejeter les points situés. Enfin bref, comment ça se passe chez vous? Moi, ça va, je reprends le sourire. J'ai repris le sourire. Je sais pourquoi vous êtes là. Vous voulez savoir laquelle entre les deux est la plus attirante. Laquelle entre les deux, donc les femmes de teinte claire et les femmes sombres, laquelle est plus intelligente? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre opinion? Qui est plus intelligente entre les deux? Les femmes les plus claires ou les femmes les plus sombres? Lesquelles sont les plus intelligentes, généralement? Écrivez sur les commentaires. N'attendez pas que je dise. Écrivez sur les commentaires, ensuite assumez ce que vous écrivez. C'est comme ça que les adultes font. Il faut pas attendre que je parle, puis ensuite dire, ah oui, tu as raison. Non, 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 non. Écrivez d'abord ce que vous pensez sur les commentaires. Ensuite, chacun va assumer ce qu'il pense. Et qui sont les plus attirantes? Les femmes noires de teinte claire ou les femmes noires sombres? Écrivez, comme ça, chacun va assumer. C'est un test. On va voir qui sont un homme. Quand je parle de homme, vous savez de quoi je parle. Homme avec grand H, ça veut dire quelqu'un qui dit des choses et assume ce qu'il dit. Bon, moi je veux dire ce que je pense. Vous savez, en Afrique, quand vous partez dans les rues, vous voyez les pancartes. Je ne sais pas si vous remarquez. Regardez chez vous. Vous verrez très souvent, quand il y a publicité de lotion, on met le visage d'une femme de teinte claire. En tout cas, 90% des cas, si pas plus. Quelquefois, il y a des pays comme en République démocratique, enfin, il y a des pays en Afrique où vous verrez, on met même des pancartes publicitaires, des visages de femmes indiennes. Hein, indiennes. Donc, dans un pays africain, vous avez le visage d'une femme indienne en publicité pour un produit de. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est quoi la relation entre. Dans un pays africain, vous voyez le visage d'une femme libanaise. Et on s'étonne combien nous sommes malades. La femme claire n'est pas nécessairement plus intelligente que la femme sombre ou de teinte plus sombre. Ça dépend de son éducation. Ça dépend de ce qu'elle a comme idée, comme pensée, comme réflexion. Ça dépend de ses parents, sa vie, son entourage, ses ambitions de vie, ses projets personnels, la structure pyramidale de ce qu'elle représente. On ne peut donc pas comparer la femme de teinte claire à la femme de teintes plus sombres sur base de leur couleur, en tout cas essayant de peser leur intelligence. Alors, en ce qui concerne l'attirance, lesquelles sont les plus attirantes? Les femmes de teintes claires ou de teintes sombres? Eh bien, ça dépend. Ça dépend d'une personne à une autre. S'il y a des gens qui préfèrent les femmes de teintes claires, c'est leur choix. Il y a des qui préfèrent les femmes noires de teintes sombres, c'est leur choix. Pour moi, ça dépend. Au fait, la beauté de la femme ne se situe pas seulement sur son visage. La beauté de la femme est une combinaison des choses, de son caractère, de sa présence, de sa façon de réfléchir, de ses ambitions, ses valeurs. C'est tout ça qui forme le cocktail qui représente la beauté d'une femme. Maintenant, pourquoi on en parle? Parce qu'il y a un complexe d'infériorité. La plupart des gens, évidemment, vous diront que beaucoup d'hommes pensent ou préfèrent les femmes de teinte claire. Je vous dirai, ça vient d'où? Ça vient de la colonisation. Parce que depuis très longtemps, on nous a fait croire
qu'une femme de teinte claire est une femme mystérieuse, une femme dont on a besoin. On veut ressembler au maître. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ont pensé très longtemps qu'avoir la peau plus claire est beaucoup plus agréable qu'avoir une peau noire. Et c'est vrai. Et malheureusement, on ne le fera pas semblant parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, on te fait un compliment en disant « ton teint a changé ». C'est quoi cette mentalité ? Ton teint a changé, c'est quoi ça ? Et quand on fait référence à « teint a changé », c'est pour dire que tu es devenu un peu plus clair. N'est-ce pas ? Je suis en train de mentir. Quand vous dites que votre teinte a changé, c'est pour vous dire quoi ? Que vous êtes devenu plus clair. Et c'est censé être beau, n'est-ce pas ? C'est un complexe d'infériorité. Malheureusement, vous ne verrez jamais des gens glorifier une femme de teinte sombre, disant qu'elle est jolie, qu'elle est magnifique, attirante. On parle très légèrement. Mais tout le monde est en extase en ce qui concerne les femmes de teinte claire. Aujourd'hui, la Gambie veut abroger une loi de 24 ans. Une loi qui abolit la dépigmentation de peau de la femme noire, prétextant qu'elle serait discriminatoire vis-à-vis de la femme et de son droit fondamental à la liberté. Quelle mentalité ! On veut abroger une loi de 24 ans instaurée ou initiée par Yahya Jammeh, prétextant qu'elle est discriminatoire et viole le droit fondamental de la femme. L'Afrique souffre. L'Afrique a des sérieux... Moi, ça me fait rire. L'Afrique a des sérieux problèmes et tout ce qu'on trouve à faire, c'est d'annuler une loi qui interdit la dépigmentation de peau et les produits relatifs à cette pratique. Ça me choque. En fait, on aura besoin de se retrouver, de retrouver sa vraie identité. On ne peut pas combattre quelqu'un à qui on veut ressembler. C'est impossible. Comment peux-tu dire « Non, je ne veux plus de toi. Tu es raciste. » Mais tout ce que tu cherches à faire de toute ta vie, c'est de ressembler à cette personne. C'est malade. Tu n'aimes pas quelqu'un, mais tu veux être comme lui. Tu veux avoir les cheveux comme lui, tu veux avoir la couleur comme lui, tu veux te rapprocher de lui, tu veux parler comme lui, tu veux prononcer comme lui, tu veux fignoler comme lui, tu veux même corriger les gens dans sa langue, pendant que ta propre langue, la langue de ton père ou ta mère, tu ne connais pas. Tu ne connais pas le village de ton père, tu n'y as presque jamais été ou pas, mais tu es là. Vous savez, les Africains n'ont pas tous les mêmes problèmes. Il y a deux pays, je peux vous dire, dans l'Afrique de l'Est spécialement, où les gens n'ont presque pas des faux cheveux. Et aujourd'hui, on ne parle pas nécessairement des faux cheveux. Hein. La plupart des femmes ont des cheveux naturels, des cheveux normaux, et c'est très beau. Et ne souffrent pas de ce complexe-là. Et parmi elles, vous ne verrez presque jamais une femme de teinte claire, en tout cas falsifiée, artificielle. Ça n'existe pas. Pour eux, la beauté, c'est être naturel. C'est être... Allez, il y a des pays dans l'Afrique de l'Est, je ne citerai pas nécessairement les noms. La culture est différente. Et dans ces pays, vous ne le verrez pas sur les réseaux sociaux en train de s'insulter. « Eh, celui-là !» Je me demande s'il y a une corrélation, s'il y a une relation, s'il y a une... Je ne sais pas, entre tout ça. Et oui, il y a des pays africains où insulter, c'est... Comment peux-tu insulter les gens ? Vous ne verrez pas sur Internet des gens en train de clasher. Non, ça n'existe pas. Problèmes sont généralement régionaux, basés aussi sur les colons, hein, il faut le dire. On dit très souvent que l'enfant souvent reflète le comportement interne des parents. Souvent, oui, les peuples aussi souvent reflètent le comportement interne des colonisateurs. Non, la femme de teinte claire n'est pas nécessairement plus attirante. C'est faux. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir les cheveux lisses. Mon problème, ce n'est pas les cheveux lisses. Mon problème, c'est si tu as du mal à sortir de ta maison sans tes faux cheveux, qu'est-ce qui me prouve que tu me dis la vérité sur ta vie ? Parce que tu caches ton vrai visage. Le vrai toi, on ne l'a jamais vu. Ce qu'on voit, c'est le reflet de quelqu'un d'autre que tu essaies d'emprunter. Qu'est-ce qui me fait croire que tu dis la vérité ? Non, sois honnête. Ah. Non, attendez, si un homme venait vous chercher dans une grosse voiture qui ne l'appartenait pas, et dit « Ah bonjour, comment ça va ?» Si un homme venait vous chercher dans une grosse Range Rover qui ne lui appartient pas, il publie toujours des photos dans un endroit huppé, dans une superbe maison, mais en réalité, vit dans un trou à rats. Vous le ferez confiance ? Non, dites-moi la vérité, vous ferez confiance à un homme qui conduit une grosse voiture qui ne lui appartient pas, ne dit jamais un mot sur ça, prend des superbes photos dans un palais, mais en réalité, vit dans un trou à rats. Vous ferez confiance. Alors, quelle est la différence ? Si vous avez du mal à sortir de votre maison avec votre vraie couleur, vos vrais cheveux, votre vraie identité, qu'est-ce qui nous fait croire que ce que vous dites sur vous est vrai ? Rien. Il faut commencer à s'aimer. Aimer votre visage. Même si vous avez des grosses oreilles, des grosses têtes, grosses coies, grosses jambes, il faut aimer ce que vous êtes. Quand vous aimez qui vous êtes, le monde commence à vous aimer pour ce que vous êtes. L'Afrique a des sérieux problèmes. On a besoin de retrouver nos langues. La langue est l'identité d'un peuple. Nous sommes les seuls peuples sur Terre qui ne connaissent pas leur langue. En tout cas,
tout cas beaucoup parmi nous. Il y a des langues ici qui ont été variées. Hein, le swahili dans beaucoup d'endroits a été varié. Le lingala chez les Congolais n'est plus lingala d'ailleurs. Les Congolais parlent un lingala francisé. Demandez leur coude, c'est quoi un lingala? Cicatrice, c'est quoi en lingala? Voilà. Parce qu'on veut tout franciser. Il y a des gens qui essaient de franciser leur langue maternelle. Tu parles ta langue maternelle avec l'accent des Français. C'est un complexe d'infériorité. Non, la femme de teinte claire n'est pas plus intéressante de teinte sombre. Je sais que cela a attiré votre attention. Mais c'est bien triste de voir que jusqu'à aujourd'hui, les gens se battent. Le standard de la beauté, c'est la femme claire. La femme des cheveux lisses, des longs cheveux. Non, je ne vous critique pas, je ne condamne pas. Mais ça devient dégoûtant quand tu es incapable d'être toi-même. Toi. La plupart d'hommes sont eux-mêmes. La plupart, en tout cas. Quand il a un mauvais visage, on voit le mauvais visage. Il n'y a rien pour cacher. On ne fait pas la beauté pour changer son visage. On fait la beauté pour accentuer ce qu'on est déjà. Moi, je dis non à cette tentative de retour à l'esclavage mental. L'esclavage commence dans la tête. On n'a pas besoin de produits cosmétiques de dépigmentation. J'ai même vu une vie. Il y a une fille que je voyais sur Internet, que j'ai connue il y a très longtemps. Elle était très jolie. Mais je l'ai vue récemment. Elle a changé, elle est devenue brune. Franchement, ça m'a dégoûté. Je te jure, ça m'a dégoûté. Comment pensez-vous pouvoir être aimé par une personne incapable de s'aimer soi-même? C'est impossible. Vous aurez des problèmes. Alors, mon message d'abord aujourd'hui, c'est quoi? Les femmes sont toutes belles, mais leur beauté ne se limite pas à la couleur de leur peau. La beauté de la femme noire est beaucoup plus profonde que ça. Son caractère, son comportement, sa direction, son apport dans ta vie personnelle. C'est très important. Ce qui brille n'est pas toujours de l'or. Quelquefois, c'est du n'importe quoi, en effet. Pour mes sœurs, vous êtes belles. Vous êtes belles telles que vous êtes. Et votre beauté s'accentue à travers votre comportement, votre caractère, votre direction, votre vie, votre carrière, vos ambitions personnelles. C'est ça la femme. La femme, c'est quelqu'un qui, quand elle arrive, on trouve des solutions. Elle dit, bon, écoute, j'ai réfléchi. Je pense qu'il serait bien de faire ça. Ça, c'est une femme. Vous voyez les gens sur Internet. Les amis, bon, on va voyager. Maintenant, on va... En train de se regarder elle-même, ici, au lieu de regarder ici. Bon, on va faire un voyage. Je vous emmène chez vous. C'est quoi cette maladie? La femme, c'est quelqu'un. Dans sa présence, on sent qu'il y a quelqu'un ici. Elle t'explique. Écoute, je vois que là, on commence à déraper. Ça, c'est une femme. Regardez ma peau. En fait, ma peau a changé. Il n'y a pas que ça dans la vie. Merci encore infiniment. C'est pour vous dire simplement que vous êtes toutes belles, hein, telles que le Créateur vous a créées. Mais votre beauté, en réalité, dépend de votre caractère, votre personnalité, vos ambitions, votre apport dans votre milieu. Forme en réalité ce que vous êtes.